Bon, je vais vous montrer comment on joue à ce jeu. Vous n'êtes pas prêts. Mais pourquoi? Qui m'a repéré? Y'a personne! Mais la fille qui me regarde! Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me regarde? Je vais vraiment me concentrer comme jamais je suis concentré dans un jeu vidéo. Je suis innocent des faits qui me sont reprochés, c'est pas moi! Je vais la cacher discrètement. Il y a eu un meurtre ici, je l'ai vu! Ah, c'est bon, j'en veux encore! À mon avis, il nous soupçonne! Oh putain! Merde! Oh non! Je suis à l'épreuve des balles. Terminator, Terminator. Allez, on est bon. Oh! Je le fous comme ça, on est bon. Comme d'hab, vous me direz pour le son si ça va ou pas. Ça, je le mets comme ça. Ok. Voilà. Hop, hop. Et cette fois-ci, on est bon. Et voilà. J'espère qu'on va tous passer une bonne soirée. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu penses utiliser les sauvegardes pour pas recommencer à chaque mort ou que la joue full PGM? À quel moment, moi, j'utilise des sauvegardes? De toute façon, Les gars, je ne connais pas Hitman. Je ne sais pas comment ça se joue. Je sais qu'on joue une espèce d'agent secret. Voilà, qu'il faut s'infiltrer. Qu'on a des cibles à abattre. Et c'est tout ce que je connais de Hitman, les gars. Et qu'on joue un chauve. On joue une espèce de Kojak. C'est tout ce que je sais de Hitman, les gars. Donc, je vais découvrir là, maintenant. Ah, mais ça a coupé, en plus. Ah, mais attendez, le live a coupé. Oh, putain. J'essaie de rester calme, les gars, mais c'est compliqué, parfois. Le live a coupé. Alors les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis pas... OBS est dans le vert. Oh putain, ça va être compliqué, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est revenu. Oh putain. Oh putain. Ah, décidément, ça va être un projet à long terme pour lancer le jeu une fois de plus. Attendez, j'ai l'impression que je ne peux pas lancer le jeu si on n'est pas connecté. Putain. Bon, il faut que je rebranche le câble Ethernet, attendez. Réessayez. Faites que ça marche, s'il vous plaît, j'en peux plus, les gars. Ah, je crois qu'on est bon. Par contre, il faut tout lire. Hein. Vous savez ce que c'est, hein? Il faut tout lire. La plateforme à partir de laquelle vous accédez au jeu, mais également l'heure et la date de la requête. Des détails concernant l'achat du dit jeu également. Notre base légale pour le traitement de ces informations est l'article 6.1b du RGPD. Information sur l'appareil. Bon, allez. Je reconnais avoir lu, mais c'est faux. On ment. Je n'ai pas lu. Personne n'a lu. Allez, on accepte. Ah, faut dissimuler nos traces. Innocent tué. Civilian casualties tend to reflect negatively on your performance and reputation. Maybe I forgot to mention that. Bah oui, tu as forgot. Ah, il fallait pas le tuer. Bon, c'est pas grave, hein. Il s'en remettra. On peut se planquer dans les casiers. C'est la Metal Gear, le bordel. C'est parfait. D'accord. Oh, il y a un reflet. C'est mieux que Resident Evil 2 Remake. Vous avez fait quelque chose d'illégal, mais j'ai rien fait. Sans vous faire prendre. Je pense qu'il a il a dû voir que j'étais pas quelqu'un de son équipe. Mais quelqu'un a découvert votre véritable identité, sans pour autant que tout le monde voit clair dans votre jeu, Loul. Pour voir qui est au courant, maintenez RB, foutez votre instinct, regardez autour ce qui apparaît. Mais ça va être lui. Merde! Mais non! Mais je voulais pas le taper!
What? Bon. Bon, mais voilà. Hein. What the hell? Il faut les cacher. Vite. Ah, est-ce que je peux là-dedans, dans le casier, ce serait bien. Cacher, c'est pour moi ou pour eux? Ah, bien. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut les entasser? Ah, mais c'est... Ah, mais voilà. Attendez. Je prends la clé anglaise. LT et RT pour balancer. What the... Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. Ah mais c'est parfait, voilà, ça y est, on a trouvé un déguisement. Se déguiser. Ah, il est rapide, hein. Okay. You're on the right track. Stay put. Mon marteau. Ok. Il le prend de son ventre. Dans mon ventre, j'ai un marteau. Ah, mais on a un flingue silencieux. Mais qu'est-ce que je me fais chier avec une clé anglaise? Très bien, objet illégal, ça n'a aucun sens. Choisir. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Well, Mr. Ritter, I have attendez, mais lui, il faut le... Je vais le zigouiller, lui. Attendez. Un petit coup de corde à piano, là. Loul. Mais non, mais je voulais étrangler. Bon, du coup, briser le cou. Ah, parfait, mais voilà. Terminé la mission. Oh là là là, le skillman. Alors là, franchement, le skillman, quoi. Sérieux. Avec brio, avec brio. Avec brio. Pas mal, tu peux vraiment te la jouer gros bourrin, quoi. D'accord. On va les zigouiller. Hop. Ça va, t'es bien comme ça? Je vais me planquer là-dedans. Voilà. Alors, je suis pourchassé. Alors, est-ce qu'il va arrêter de me pourchasser? C'est intéressant. On est toujours en mode compromis? Bon, ben on va sortir. Hein. Salut les gars! Ça va? Bon, au revoir. Hein. Ah putain! Ils m'ont vu sortir du casier! C'est énorme! Ah putain, c'est génial! C'est pas moi! Hop! Bon, on va aller à la cible, hein. C'est pas lui? Ah, mais c'est lui. Qu'est-ce qu'il foutait là, ce con? Merde. Bon, ça y est, il est mort, là, non? Bon, je crois qu'il est temps de fuir. On va aller en haut. Avec du bol, il y aura peut-être un hélicoptère. Oh! Hallucinant! Once again. Alors là les gars, croyez-le ou non, je ne savais absolument pas qu'il y avait un hélicoptère ici. Hein. Ah non mais c'est un faux hélicoptère. Mais attends, mais hallucinant là. Il y avait vraiment un hélicoptère. Il y a 2 mètres en plus. Je trouve ça énorme. Attends, je trouve ça énorme quoi. Bon par contre c'est un faux hélicoptère, mais c'est pas grave, ça a marché. Mission accomplie putain. Le fruit d'un entraînement passé, tout à fait. Oh mais c'est énorme. Non mais c'est bon, je me rends. Hein. Vas-y, tue-moi. Grosse animation. Gros impact de balle. Y'a pas de sang. Y'a pas de sang, y'a pas d'impact. Lego. Là, il devrait y aller. Ok, il y a une certaine logique. Ça me va.
Merde. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ça va, ça va, ça va. Putain, mais il reste à terre! Déguisé! Ok. Ben voilà! Je me déguise. Voilà. Bon, vas-y, c'est bon, il me suit. On est bon. Allez! Quoi? Oh non! Pour retrouver! Vite! Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Merde! Ils ont trouvé le corps! Putain! Ah, ça va être la merde là! Bon mais il est mort. Il est mort. La sortie. Je sors où moi? Mais comment voulez-vous que je trouve la sortie? Mais putain. Oh la 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 la. Mais où est la sortie? Ah, j'aurais dû cacher le corps, putain, il a fallu qu'il passe au seul endroit où j'ai tué le seul bonhomme du complexe. C'est quand même phénoménal, ça. Du coup, je vais aller cacher le corps, putain. D'accord, bon. Maintenant, je saurai, faut vraiment cacher les corps à chaque fois. Hein. Où est-ce que j'ai le planqué, ce con, là, aussi? Je peux pas le planquer, ici. Peut-être là, alors. Il y a du monde, ici. Ouais, on va le planquer, là. On va le planquer là. En espérant qu'ils le verront pas, mais. Il n'y a rien de sûr, hein. Je peux pas aller là-bas, il y a du monde. Écoutez, ah, peut-être là. Est-ce que je peux. Ah, d'accord, on peut faire ça. Ah, ben voilà. Oh, putain, attention, il y a un garde juste à côté, c'est pas grave, ils l'ont pas vu. C'est bon, il a rien vu. Il a rien vu. Allez, go. Il a pas vu que j'ai balancé un cadavre à 2 mètres de lui. Je suis perdu. Je suis perdu. Pour retrouver quoi? Putain, mais il l'a vu! C'est pas vrai. Mais comment ça, pour retrouver? Mais c'est impossible, il a rien vu, il est de dos! Ou alors je peux tenter. Ce serait ridicule. Je vais essayer de le bouger jusque. Peut-être là, mais enfin bon, c'est. Je fais la vue de tous, quoi. Mais qui m'a vu? Encore trouvé? Bon, bah ils m'ont vu. Hein. Non, non, c'est pas moi. J'ai rien fait. Je suis innocent! Votre honneur, croyez-moi! Je suis innocent des faits qui me sont reprochés, c'est pas moi! Mais c'est pas moi! C'est pas moi! Mais j'ai rien fait! Bon, j'ai pas vu de casier en tout cas. Non mais sérieusement, je ne vois pas où je peux le cacher. Si je vais là, ils vont me voir. Ah ou alors là, alors. Ah peut-être là. Je m'étais dit pas là parce que là dans les douches ils sont deux, mais peut-être qu'ils vont rien voir alors. Ah putain voilà, putain il le voit pas de là, ok. Bon mais voilà, ça y est on a trouvé.
Bon, je pensais qu'ils me verraient, c'est pour ça. Mais en fait, ils m'ont pas vu. Enfin, en même temps, là, je veux pas être de mauvaise foi, mais comment vous voulez deviner que les deux bonhommes qui sont dans les douches, là, dans les vestiaires, ils vont pas me voir, alors que bon, ils sont à 10 mètres et tout. Bon, voilà, quoi. Généralement, quand t'as quelqu'un dans ton champ de vision qui franchit une porte entraînant un corps, je pense que tu le remarques, hein. Bon, mais ça y est, hein, voilà, il est là, ton truc, là. Qu'est-ce qu'il fait? Et bon voyage, Monsieur Knight! Je vous souhaite une belle promenade! Eh ben alors, faut décoller maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Ben alors, il décolle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il redescend? Redescends pas, espèce de sac! Mais décolle! À mon avis, il y avait un truc à faire là. Bon, faut refaire le protocole de sécurité. Ah bon. Et pourquoi il décolle pas? Patrick, il a tout ça. Comment ça, faut lire le papier? Mais je le lis le papier là, vous rigolez ou quoi? Unbelievable. Ben alors. Plus bouger. Oh là. Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we need to do another safety check. Is this strictly necessary? En fait, je ne dois rien faire, quoi, d'accord. Ah, d'accord. Oh la vache, fallait attendre comme ça, comme un con. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, en fait, il fallait pas bouger, putain. Il fallait pas reposer le document, c'était ça l'explication. Attention, vous êtes prêts, Monsieur Knight? Tirez la poignée d'éjection. C'est parti. Alors ça, c'était pas mal. Oh putain, alors ça, franchement, rien que pour ça, je suis content qu'on ait fait ce truc-là pour le tuer. C'était génial. Oh putain, c'était énorme. Hop. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Je me demandais s'il avait vraiment fait une interaction quand on se mettait devant la caméra. Et oui, ils l'ont fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bien joué, les gars. Ça va? L'aspirateur est là-bas, tu peux y aller si tu veux. Il devait bloquer l'entrée là ou la sortie. Mais je ne sais absolument pas où je vais, les gars. Alors je fais ça. Je peux prendre la hache. Je peux attaquer avec ça. Ah putain. Ah le psychopathe quoi. Mais oui, ah je me rends là, tuez-moi bande de cons. Hands over your head. Bon, je suis foutu. Je suis insensible aux balles. Rien ne m'arrête. Il marche avec une telle conviction. J'adore. Là, j'ai empoisonné ça, là.
empoisonner les sushis. Je les empoisonne. Mais la fille qui me regarde. C'est énorme. Voilà, est-ce que je peux prendre les sushis? Je veux prendre les sushis. Tu veux pas du poison? J'ai de la mort aura, pourquoi je peux pas lui parler, putain? Je peux rien faire. Et l'autre il nous regarde derrière. J'adore. Ça va? Hop. Hop. Par contre, il y a encore un chef-d'œuvre. Merci Antoine pour les deux gros. Il y a quand même l'air d'y avoir énormément de possibilités. Ça, ça fait plaisir. Bon, on s'est comment ça, de quoi retrouver? Oh non, putain! Alors, non, mais je l'ai là. Pas de panique. Vite. Garde du corps. Bon, vous savez quoi, je préfère du coup, vu que j'avais une opportunité. On va se déguiser en garde du corps. Dépêche-toi de le prendre. Putain, mais... Merde. Vite, mais pars. Pars. Espèce de con. Mais va-t'en. On peut mettre combien dans des caisses? C'est infini. Et voilà. Ça en fait un. Il faut être vraiment patient en fait. Hein. Lâcher le treuil. What? Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Merde, j'ai rien vu. Je fais une connerie. Fuyons. On va rester là. Je crois que j'ai fait une connerie. Check the balcony. Je sens pas. Oh merde! Oh, je suis foutu. Oh! Bon. Bon, il y a quand même énormément de checkpoints. Bon, mais du coup, je vais virer tout ce que j'ai. Alors, on va virer tout ce qu'on a. On va virer le couteau. Moi ? Ça va ? Non, j'ai rien fait, t'inquiète pas. Tout va bien. Hey, you're under arrest. Stand still. Ah, je pouvais mettre là. Trop suspect. Je ne crains pas les balles. Bon, je vais les balancer, hein. Y'a quoi en bas, là? Personne le verra, à mon avis, hein. Voyons. Là, sur la bagnole, là. Est-ce que je peux... Voyons.
Personne ne le verra, là. Qu'on s'accorde trouvé. Y'a personne en bas. What? Mais y'a personne. Oh putain. Bon là par contre y'a du monde. On va peut-être la jeter de l'autre côté. Y'a personne ici. Voilà, ils ont rien vu, c'est bon. Allez, on peut y aller. On va se cacher. Ah mais c'est bon. Je ne suis plus recherché. Tout va bien. On l'a trouvé, les gars. Merde, on est repéré. Attendez, je vais me cacher. Attends, s'il vient pas, ce serait quand même hilarant. Hein. Il vient pas? Ah la vache, c'est encore un chef-d'œuvre, les gars. Sérieusement, quoi. Franchement, là, faut arrêter. Hein. Attends, tu peux te planquer des gardes devant eux en se planquant dans une armoire. Le mec s'arrête, il se casse. Non, franchement. Là, je voulais bien être gentil depuis le début, mais quand même, quoi, il y a des limites. Hein. Bon, ces péripéties m'ont donné envie d'aller pisser. Je reviens dans 3 minutes. Putain. Je pourrais sortir, mais vu que je suis toujours en mode recherche. Quoi, pour chasser? Comment ça, pour chasser? Put your hands over your head. Hein? Hold it right there. What? That's it. You're going down if you don't wise up. Mais... Do it. You son of a... Merde. Mais ça n'a aucun putain de sens. Le mec il s'est cassé pour revenir plus tard et savoir que j'étais là. Il a été chercher des renforts. Ça doit être ça. Ça va? Tout le monde va bien? Eh mais ce jeu n'a quand même aucun putain de sens. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais nul quoi. What? Il y a du poison sur elle! Putain, mais au secours quoi, franchement. N'importe quoi! Pourquoi il a ouvert la porte? On comprend que dalle. Hein. Je suis en mode recherche, mais personne. Alors là. Le garde n'a pas bugué, du coup il vient avec elle. Ok. Pourquoi il m'attaque une fois que je suis là? Sérieux! Je peux passer partout, mais il m'attaque à certains moments. On sait pas pourquoi. Coco! Ça va? Le défilé! C'est mon tour! Tun 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 tun. Merci, merci, merci. On va dire qu'ils sont partis. Mais non, oh, qu'est-ce qu'il fait? Putain, il transporte mon cadavre. Merde. Oh. Ah merde, s'est réveillé. Merde. Merde, sont nombreux là. Hein. Ça va être compliqué.
Victim ID'd the perp. Get this. He's wearing a waiter's outfit. Il se souvient plus que j'étais là-dedans. Il se souvient plus. Coucou, c'est moi. Je suis caché dans l'armoire qui a 2 mètres de tous les corps. Au revoir. Hop, voilà. On change d'habit et on va voir du coup s'ils nous reconnaissent même quand on change d'habit. Voilà. Ça me fait délirer le système de ce jeu. Ah putain. I didn't see who did it. We have any ID on the suspect? We need to check the waiters. It's one of them. Stay here just in case. Leave it to me. All right, now we know what he looks like. He's one of the waiters. Et le mec repart en slip. C'est génial. Juste avec son arme. Ah, j'adore. Alors par contre, ce qui est pas mal, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est une bonne idée. Qui, quand on tue un bonhomme, il y a carrément un sac mortuaire, du coup. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? What? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Le mec, il a fait popper les habits. Qu'est-ce qui vient de se passer, putain? Le mec vient de se rhabiller comme ça. C'est Superman. Attendez, je referme. Mais c'est pas vrai. Et ben voilà. C'est ce que j'appelle une mission rondement menée. Avec tout ce bordel quand même, réussir comme ça à s'échapper avec 10 cadavres dans le château et tout. Il doit y avoir 5 cadavres de planqués dans les armoires. Et personne ne nous a vu partir. How was Moscow? Kamarov is gone. Non mais c'était pas mal, mais bon, quand tu apprends les mécaniques en même temps que tu joues, c'est quand même compliqué. Hein. Bon après, j'avoue que j'ai quand même fait des erreurs. On va pas se le cacher, soyons honnêtes. On a fait quelques légères erreurs de débutant. Très bien. Bon, je vais vous montrer comment on joue à ce jeu. Préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts. Ce n'était qu'un simple échauffement. Il fallait bien ça pour voir un petit peu comment fonctionne la structure même, voyez-vous, du gameplay. Eh ben oui, les gars. Je peux pas deviner, moi. Maintenant, c'est bon. Mais non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! Mais je voulais passer là ! Mais c'est de la saloperie ! Oh, putain ! Bon. Mais non, mais c'est pas moi ! Bon, pas de panique. Je vais la cacher discrètement. Je vais la cacher. Oh là là. On va la cacher. Où est-ce que je peux la cacher? Là, il y a personne. Il y a bien une petite ruelle là. On va la cacher ici. Ça va? Ça va les gars? Paniquez pas. Tout va bien. Tout va bien. Oh là là, ça ira très bien ici. Voilà. Et voilà. Non, non, c'est pas moi. Ça va? Arrestation. Ouais, bon, ok, ça va. Je me rends, les gars. Hop. Je me rends plus. Aïe. Je suis à l'épreuve des balles. Mais je ne suis pas à l'épreuve des coups de poing. Non, mais je voulais pas l'attaquer. Putain, mais c'est mal brancouillé aussi, les gars. Est-ce qu'il y a un checkpoint? Oui. Allez. Ah,
has been trying to replicate Isabella Caruso's famous là, toi. But Sylvia Caruso is not impressed. Oui, non, mais tout va bien, regarde, ça y est, regarde, je ferme, tu m'as pas vu. Pas de panique. Tout va bien. Je rappelle quand même qu'on est dans une chambre froide. Ça fera de la bonne viande. Arrêtez un peu. Oh, yeah, sorry. Yeah, I was in the way. Mais je veux l'attaquer. Voilà, c'est bon. Ah, c'est ici, très bien. Hop. Nous voilà déguisés en chef cuistot. On va aller au manoir. Allez, on descend. Je range mon hachoir. On y va. Oh là là, non, c'est pas moi, je suis innocent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. C'est quand même sympa, les habitants, comme ça, qui mènent leur propre petite vie. Non, mais franchement, c'est pas mal, hein. J'aime bien, hein. C'est limite une espèce de Shenmue, quoi. C'est vachement cool. Bon, go manoir, du coup. Donc, le manoir qui est là-bas. Est-ce qu'ils vont me laisser rentrer? Je vais peut-être sauvegarder, non? Bon, c'est pas la peine. Ah, mais y a plus personne! Ah, mais je les ai tués, les gardes! C'est génial! Je les ai tués, les gardes! Du coup, y a plus de gardes! C'est génial, putain! Ah, j'adore. Bon, mais du coup, on peut rentrer. Y a pas de problème. Tout le monde peut rentrer, les gars. C'est buffet à volonté, vous pouvez venir. Personne n'a rien vu. Yoni Konu, je t'embrouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Transporte-le. Putain, mais... Mais Loul, comment il l'a poussé? Oh, le scandale! Ce non-respect, on va le foutre dans une tombe. Est-ce qu'on peut là-dedans? Ah oui, on peut! Ah ah! Bien joué, Milou! Ah, c'est bon, j'en veux encore! Bon, le problème, c'est que clairement, faut que je recommence là, ouais. Écoutez, c'est pas grave, on va recommencer parce que je pensais pas que ça allait broyer tout le bordel là. On va en profiter pour voir l'efficacité de cette nouvelle arme. Salut, ça va? Hey, you there. Yeah, you, fishy fella. Je peux pas l'attaquer! Mais c'est vraiment trop con ce jeu! Je peux pas l'attaquer là! Ah, ça y est! C'est génial! Oh, c'est génial! Ah, j'adore ce jeu! On va le broyer parce que franchement c'est rigolo ça. Ah, j'en veux encore, j'en veux encore. Ah, excellent. C'est compliqué quand même.
Hey, you! Trespassers will be shot! Mais j'ai rien fait. Hey, you are gonna follow me. Et d'accord, si tu veux, je te suis. Je te suis, hein. J'ai rien fait, alors là... Voilà, je te suis, ok. I already told you to follow me. What's the problem, Bozo? Ouais, je te suis, là. Okay, buddy, you're free to go. Ah, mais voilà. Bon, mais je rentre par là, hein. Sir, you are trespassing. Hey, you, you're coming with me. Understood? Okay. All right, I'm not going to be bothering you no more, sir. Pas de problème. Excuse me, what are you doing? Stop, I've had it! So now you decide if it's going to be the easy way or the hard way. Ah, vous voyez, franchement, je m'attendais à la boucle infinie. Je m'attendais vraiment à la boucle infinie. Et en fait, non. Il finit par m'arrêter. Ça va. I'm being nice right now. I don't usually give second warnings. Ah, je m'y attendais pas. Bon, par contre, faut pas déconner non plus. Hop. Voilà. It's me. Roberto. Silvio let you off early. I want us to meet. Your room. Ah, d'accord. I should say no. But ah oui, excellent. See you soon. Non, le problème, c'est que si je suis pas déguisé en lui ni rien, ça va être compliqué. En plus, là, je sais même pas où est la chambre. Les gars, c'est un projet complexe, là, quand même. Mais comment je vais faire la chambre activer la sono, mais non. Pourquoi faire? Hein? Aucun sens. Ah, ce jeu est quand même merveilleux. Eh, hey. Il y a quand même de ces trucs. Moi, je trouve ça vachement sympa. Ah non, j'ai... Francesca DeSantis. Merde. J'ai repéré. Attendez. Hey, you didn't hear me? J'essaie une stratégie, là. Get oui, quoi? Hey. D'accord. Good. Hop. Good. Voilà. C'est bon? C'est bon. C'était elle, non? Ah, c'était elle. Is that? Please. Oh! Oh la vache! Two targets down. Now destroy the virus. Oh! Je crois qu'on peut dire qu'on l'a planté. Bon. On l'a planté, c'est parfait. Avec le couteau illégal de... la lame et tout, quoi. La lame recourbée. Bon, mais très bien. Maintenant, faut trouver le labo. En fait, c'est sympa parce que, certes, on y arrive. Mais on y arrive, en fait, un petit peu en faisant n'importe quoi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je vais là, elle arrive, elle est là-bas, ok, bon, je la tue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, j'ai l'impression de prévoir vraiment quelque chose. Sauf, bien sûr, quand tu connais le jeu. Évidemment. Alors, ah, c'est joli là-dedans, putain. Look for some type of quarantine unit. Te retourne pas, Johnny. What? Te retourne pas, Johnny. Ils ont trouvé le corps. C'est la merde. L'autre, il regarde en bas. Oh merde, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Oh! Il me fait marrer ce jeu quand même. C'est rigolo. What? Wait a minute. Hello?
Et je voulais le balancer, le marteau, pas le laisser tomber. Ouais, là-haut. Alors la question c'est, est-ce que je vais pouvoir y aller? Moi je dirais que oui, je suis censé être un garde. Je vais planquer mon marteau. Et logiquement, je devrais pouvoir passer. On va voir. Hey, Hugo! Hey, what's this problem? Au revoir, Hugo! Let go of the deceased! Mais attaque-le! Pourquoi j'attaque pas? Ah, mais merde! Mais putain, mais. C'est pas vrai! Oh là là, mais j'avais pas vu, j'étais en train de transbahuter l'autre con! J'ai pas pu l'attaquer du coup! Mais on y voit tellement rien aussi dans le noir là! Oh là 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 là, ce jeu! On est compromis! Bien belle infiltration. Mais what? Je veux recharger mais je sais pas comment on fait les gars. N'empêche, c'est quand même pas mal le fait que même en faisant n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi du coup, hein, j'en suis l'exemple parfait, mais en fait tu peux quand même mener à bien la mission. Il n'y a pas de game over, quoi. À partir du moment où tu ne meurs pas, finalement, tu peux comme ça brain tous les ennemis parce que lui est complètement pourri, et du coup, c'est bon, ça passe, quoi. Il n'y a plus de garde. C'est génial. Il n'y a plus de garde. Attends. Il n'y a plus de garde, putain. Et ça aussi, mine de rien, c'est pas mal, voyez. Non, mais un autre bon point, quand même. Les gardes, apparemment, n'arrivent pas à l'infini. Dans combien de jeux, les gardes, comme ça, quand tu déclenches l'alarme, ça vient juste à l'infini. Tu peux avoir 300 gardes qui viennent. Là, apparemment, c'est pas l'infini. Il y en avait quoi, peut-être une vingtaine? Bah, tu es, tu tous, au moins ils reviennent pas, quoi. Putain, ça c'est bien. Ah non, mais il y a des bons points, les gars, je vous le dis, il y a des bons points. Hein. Allez, on est bon. Oh! Non! Non! C'est une blague! Je voulais juste voir un petit peu la destruction. Jamais j'aurais cru que j'allais faire exploser l'hydravion. Non. Non, c'est une blague. C'est une blague. Comment je fais maintenant? Comment je fais? Une autre sortie? Je reprends la sauvegarde à 2-11. Putain, je pensais vraiment, jamais j'aurais cru que j'allais faire péter l'hydravion. Quoi. Incroyable. En plus, en 3 coups. Incroyable. Incroyable. C'est un avion Ikea. Non, mais c'est ça, putain. Incroyable. Incroyable. Ah, si je m'attendais à ça. On va vraiment tenter de jouer sérieusement. Putain, ils ont vraiment... Eh, regardez. Mais c'est incroyable. Mais what? Mais putain. Mais attendez. Il y a plus de destruction de décors dans ce jeu qui est censé être un jeu d'infiltration où tu peux ne pas tirer un seul coup que dans des jeux qui sont full bourrinage où tu tires 300 coups par minute et où t'as pas de destruction de décors.
Mais on marche sur la tête, les gars. Moi, je vous le dis, hein, dans le jeu vidéo, on marche sur la tête. Vous vous rendez compte, c'est la destruction de décors. Dans un jeu où on ne tire pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais what? But the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zaydan won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck. Est-ce que vous croyez que ça va encore se finir en bain de sang? Hein? Yes, yes, step in. Putain, la foule est quand même vachement bien retranscrite, je trouve. Il y a quelques petits bugs, mais franchement, globalement, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, l'animation est pas extraordinaire des PNJ. Mais il y a tellement de monde. Je trouve ça vachement réussi. Hein. Non, c'est pas une caméra, ça. C'est quoi? Ah, d'accord, c'est carrément la tenue du caméraman, quoi. D'accord, ok. Ah, oui, d'accord. Il nous faut la tenue du caméraman, ok. D'accord. Ah non, l'ambiance est vraiment pas mal, je trouve. Putain, la vache, ce niveau. L'ambiance est plutôt réussie. Puis il y a un niveau de détail qui est vraiment très, très, très élevé, je trouve. Alors, il est là. Ah, mais il est là. Ah, d'accord, il est en train de fumer, lui aussi, tiens. Ah, je pourrais l'empoisonner. Oh, encore un empoisonnement. Ouais, mais non, en fait. Reste là. Personne m'a vu. Mais putain, ils étaient dodo. Faites gaffe, les gars, ça déborde. Oh, attendez, du coup, il va aller. Ah, mais attendez, il va ailleurs, du coup. Ah, d'accord. Ah, merde. Ah, oh, putain, mais c'est une blague. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Vous faites quoi? Pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous me regardez? Bon, allez hop. Est-ce que c'est comme ça? Il se casse le prix. Ça va les gars? Mais partez, bande de cons! Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me regarde? J'ai rien fait! Et l'autre derrière qui a moitié bugué le soldat? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'ils ont là? Mais quoi? Tu veux quoi? Oh non! Je suis le Terminator! Je ne prends pas les balles! Je suis le Terminator! Je suis le T-47. Je suis le Terminator. Je distribue des mandales. Le Terminator. Aïe aïe aïe. Sarah Connor. Ah, ça doit être là. Quoi, mais j'ai rien fait. Je me suis à peine frotté. Oh non. Ça va, j'ai... Oh non, j'ai rien fait, là, arrêtez. Non, c'est bon, c'était pour rigoler, là. Mais parlez, vous autres, bande de cons, j'ai rien fait. Bon, je vais à la caméra. Oh non! Putain. Bon, c'est ma faute. Franchement, je pensais pas qu'il se passerait un truc. Hein. Un crime? Mais quel crime? What? Mais j'ai rien fait! Bon, c'est comme ça. Très bien! Je suis le Terminator, rien ne m'arrête. Mais pourquoi? Qui m'a repéré? Y'a personne! Mais où? Mais où? Je peux
plus ce jeu. Mais qui m'a repéré? Là-bas? Il regarde ailleurs. Mais... mais pourquoi, bordel? Ça y est. Voilà, alors là les gars, non, vous avez vu où j'étais? C'est impossible, on était là. Les gars, on était là. On était là, personne m'a vu. Ok. Le Black, il est là au milieu. J'étais ici, je l'ai étranglé là. Là, regardez, il y a Koda, lui il était pas là. Il y a personne ici. Personne peut nous voir. Il y a Koda, les gars. Il y a Koda. C'est de la saloperie. Ce jeu est de la saloperie. Par contre, les impacts sont très bien faits. Quand tu veux viser, quoi. Quoi? Voilà, et là, personne m'a vu. Et là, personne m'a vu. Ça va, les gars? Mais pourquoi je suis soupçonneux? Mais pourquoi je suis soupçonneux? Mais pourquoi? Mais pourquoi je suis soupçonneux, moi, et pas les autres? Quel jeu de merde! Pourquoi je suis soupçonneux, moi? Pourquoi moi et personne d'autre? Tiens! Putain, jeu à la con! Terminator, Terminator! C'est de la merde. C'est intégralement de la saloperie. Terminator, on a dit! Terminator! Pourquoi c'est moi qui suis soupçonneux? Pourquoi c'est moi? Oh putain, quelle immondice! C'est nul, c'est nul, c'est nul les gars, c'est du zéro, c'est du zéro, et ça c'est la preuve parfaite, putain, je peux pas tuer le garde parce qu'on me voit. Par contre, le script a décrété que je pouvais tirer, je peux dégainer et tirer sur ce putain d'élan à la con, sans qu'on me voit, alors je suis exactement au même endroit où je tentais d'étrangler ce con de flic, et là on me voit pas. Par contre, juste après, je rengaine mon arme. Mais t'es soupçonneux, toi? Toi, t'es soupçonneux, là. Ah ouais, toi, oui. Alors lui, là-bas, non. Mais toi, oui. Toi, t'es soupçonneux. T'es soupçonneux, toi. C'est de la merde. Et je vais aller me coucher maintenant. Alors, ça vous a manqué, Hitman? Hitman. Tun, 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 tun. Hitman. Tun 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 tun. Je me suis dit, avec tous les commentaires bienveillants qu'on a reçus sur le live précédent, il fallait bien que je fasse une suite. C'est logique. On fait du business ou on fait pas du business ici? Non, la vérité sur Hitman, croyez-le ou non, mais dès que j'ai fini le live la dernière fois, je savais que j'y reviendrais. Parce que je trouvais clairement le jeu assez intéressant pour y revenir. Ça m'intrigue et je voyais bien que j'avais pas compris la moitié des mécaniques de jeu. Donc dans tous les cas, j'allais y revenir. Certaines personnes sont déjà soupçonneuses dans le chat. Je me suis rendu compte que ma phrase ne voulait rien dire en plus. Hein. Je suis soupçonneux. Ça veut rien dire, c'est les autres qui sont soupçonneux. Aïe, 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 on n'est pas aidé quand même. On n'est pas aidé. C'est quoi contrat? Contrat, c'est l'émission qu'on pourra faire plus tard ou... Parcourir les contrats, moi ça m'intéresse. Rechercher par titre du contrat et description. Ah, attention, on peut rechercher par titre, ça c'est intéressant. Merde. Alors attendez. Moi, je veux un contrat sur la tête... d'une personne, parce qu'à mon avis, quand même, je pense qu'il y a plusieurs contrats sur sa tête. Alors voyons, on va valider. Est-ce qu'il y a des contrats? Comment on voit? Chercher.
Alors, il y a un contrat. Il n'y a pas de contrat. Personne n'a mis de contrat sur la tête de mon Juju. Alors ça, par contre, c'est très étonnant. Bon, allez. Go la campagne. Alors, saison 1. Alors, je veux charger 3-14. C'est ça ? Job 3-14. Référence. Job 3-14. Je charge Job 3-14. Donc, objectif. On doit tuer Reza Zlatan. On doit tuer Zlatan. Et on doit tuer Hugo Strandberg. Et là, j'ai envie de faire une blague avec Strandberg. À savoir, vous avez déchargé Strandberg. À moi maintenant. Qui va trouver cette référence avec Strandberg ? Sauf que c'est pas exactement Strandberg. Klaus Hugo Strandberg. Dans le film, c'est pas Strandberg, c'est... Ça y ressemble, hein. Strandberg. Putain, c'est presque ça, les gars. Qui va trouver ? Je pense que quelqu'un va trouver. Vous avez déchargé Strandberg ? À moi maintenant. C'est bien James Bond. Voilà, l'espion qui m'aimait. Thomas a gagné. Je suis pas certain qu'il soit le premier. Bravo, monsieur Thomas. Ben oui, c'est le méchant dans l'espion qui m'aimait. The Spy Who Loved Me. Who Loved Me, bien sûr. Et je crois que ça s'appelle Strongberg, effectivement. Ça doit être ça, du coup. Strongberg. C'est à la fin, avec la table. Vous avez déchargé, Strongberg. À moi, maintenant. Vous avez déchargé, monsieur Strongberg. À moi, maintenant. Merci Olivier pour les 10 balles. Respect à Hooper, as-tu vu la vidéo de Joachim chez DG en réponse à ta prestation sur Hitman ? Pas du tout, mais on m'en a parlé. Et je ne l'ai pas vu. Il faudra que j'aille voir ça. On m'a dit qu'il avait été très méchant. Ah, c'est pas très gentil ça. Que dire sur Link's Awakening ? C'est génial. Voilà, c'est génial. Moi, je suis très content. Alors, évidemment qu'on peut toujours pester sur le visuel et tout et tout. En fait, je vais vous dire, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas le visuel. C'est juste que le jeu soit un copier-coller basique, tu vois, simpliste de ce qu'était le jeu déjà sur Game Boy. Que du coup, il n'y ait aucune surprise et qu'on y joue de la même façon et qu'il n'y ait aucune nouveauté, aucun ajout, que dalle. Et ça, en fait, ça me fait plus peur que juste la refonte graphique qui, je trouve, moi, est sympathique. C'est vrai que le Link, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une figurine. On dirait qu'on dirige une figurine low cost à 10 balles. Forcément, ça fait bizarre. Mais bon, j'ai envie... Voilà, pour l'instant, on a vu que 20 secondes de véritable gameplay. Moi, je vais laisser sa chance à Nintendo. C'est quand même Zelda. Et attention, même s'ils avaient quand même fait du caca avec Phantom Hourglass et Spirit Track. Donc... C'est pas parce que c'est Zelda que Nintendo font forcément un truc de fou à chaque fois. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est pas repoussant, on va dire. Voilà. C'est pas repoussant, mais disons que ça m'envoie pas du rêve. En gros, c'est ça. Et remercie Fitoupé pour les 5 gros. Voyou, Madonna à la Powell, Pépé le Ramolo, tu as le gland. Tu penses que tous ces dialogues cultes vont disparaître ? Bah, c'est-à-dire que déjà, pour moi, ça n'a jamais été des dialogues cultes, quoi. Le coup de Pépé le Ramolo... J'ai dit un truc. Je me rappelle encore de la première fois que j'ai joué à ce jeu, que j'ai inséré le jeu, la cartouche dans la Game Boy. Parce que le coup de Pépé le Ramolo, tu dois l'avoir directement au début. Hein. Tu vas en bas, t'as déjà une cabine téléphonique. Et je me suis dit le coup avec Madonna et Pépé le Ramolo, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Vraiment, j'ai eu peur au début. Hein. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Madonna à l'appareil ? Pépé le Ramolo, qu'est-ce que c'est que ça ? Et heureusement, même si les 5 premières minutes du jeu, j'ai eu très peur, juste après, dès que tu descends, dès que tu arrives à la plage, dès que la musique change, là ça y est, dès que tu fais le premier donjon, t'as compris que t'es dans un jeu unique. Mais justement, le tout début, avec ces dialogues à la con, moi j'ai eu peur. Hein. Donc je trouve pas du tout que ce soit culte, je suis désolé. Et franchement, s'ils peuvent le virer, moi j'ai dit un truc, ça me dérangera pas. Après, s'il le laisse pour le clin d'œil, très bien. Mais s'il le vire le coup de Madonna et de Pépé le Ramolo, franchement, et le coup du gland, hein, tu as le gland, tu seras mieux protégé contre tes ennemis. Avec le dialogue en plus que tu ne peux pas passer qui met 10 plombes, c'est comme pour la boussole et tout. Il y a un dialogue, genre, il y a genre au moins 5 ou 6 que tu ne peux pas passer. Eh, s'ils remettent ça au goût du jour, franchement, ça va pas me déplaire, les gars. Hein, le coup du gland.
Il y a un mec qui a fait une vidéo détournement avec ta voix calée sur le chauffeur du début de RE2 Remake, si tu veux aller voir. Ah ben j'irai voir, oui. J'aurais quand même filé le lien sur le forum, j'irai voir. Hein. Après, des détournements avec ma voix et tout, il y en a quand même beaucoup. Hein. Avec ce bon vieux Ludwig. D'ailleurs, je sais pas si c'est ce que je vous le dis, ça. Bon, je peux vous le dire. Ludwig... Est-ce que je vous dis ça? En fait, il y a des... Mon frère, mes neveux, mes nièces et compagnie, qui sont tombés sur la vidéo de Ludwig avec l'ours. Le détournement de Ludwig avec l'ours. Du coup, maintenant, ils arrêtent pas de se moquer de moi avec ce truc-là. Ah, tu sais, on a vu ta vidéo, là, avec l'ours. Ah, c'est rigolo, ah. Voilà. Mes neveux et mes nièces ont vu la vidéo avec l'ours. Voilà, donc pour information, mes neveux et mes nièces, ils ont entre 5 ans et ça va jusqu'à 14 ans. Voilà. Je dis ça comme ça, hein. Voilà, Ludwig. Voilà. Et maintenant, je dois vivre avec ça. À chaque fois que je les vois, ils me parlent de la vidéo de l'ours. Ah, j'ai vu la vidéo de l'ours. Ah, mais c'est super la vidéo de l'ours. C'est génial. La vidéo de l'ours. Je sais pas comment ils ont fait pour tomber sur ça. Maintenant, mets-toi à quatre pattes. Ah, ok, je suis ready. Mais arrête de parler, espèce de grognasse. Ok. Attention. On est parti. Ah, ça va mieux comme ça. Ok. Ok, là on est bon. Ouh. Allez. Ah ouais. Oh, je suis bon là. Oh oui. Si vous voulez vraiment tout savoir, j'étais à un anniversaire pour... bon, vous en foutez. Et du coup, il y avait toute la famille et tout. Et quelqu'un dont je tairai le nom, eh bien, a montré la vidéo de l'ours à tout le monde. Et moi, j'ai été me cacher pendant ce temps. Véridique. Ça s'est exactement passé comme ça. je vais essayer de le cacher. Est-ce que je peux... Ah mais là, c'est parfait, il y a une caisse. Ah mais d'accord. Ils avaient foutu une caisse juste à côté exprès, c'est énorme. Mais voilà, c'est parfait les gars. Ni vous ni connu, je t'embrouille. Ah mais il est pas loin. Il est pas loin du tout. Merde, ah mais c'est des chiottes. explosif. Non mais qu'est-ce que... Je veux ouvrir. Ah mais merde, mais c'est des chiottes ici. Mais qui les con. Alors, par contre, faut que je grimpe. Hein. C'est à l'étage. Hein. Ah ouais, c'est à l'étage. Non, c'est bon. Ça va. Mais non, je suis arrêté, putain. Bon. Voilà. Pas de panique, personne n'a rien vu. Mais toi non plus, t'as rien vu. Allez, on va faire son petit massage. Ah merde, je crois qu'ils m'ont vu. Je crains qu'ils m'aient vu quand même là. Putain. Le masseur fou. Ah merde.
Tu me connaissais, toi, désolé. Bon, la réceptionniste, par là. C'est une catastrophe. Ça va, on l'a eu. Il m'a vu? Comment c'est possible? Ah non! C'est bon! Le hachoir fou. Délicatessen. Le boucher de Bakersville. Voyez, on y est arrivé! On y est arrivé, c'est bon. Mais il ne nous a pas vus. Hein. Ça va? Il est soupçonneux, à mon avis. Hein. Est-ce que vous croyez qu'il est soupçonneux? Il a l'air soupçonneux, quand même. Hein. Je crois qu'il nous soupçonne. Je crains qu'il soupçonne qu'il y ait quelqu'un dans cette armoire. À mon avis, il nous soupçonne. Il est en train de se demander s'il y a quelqu'un dans l'armoire. Il y a personne, enfin. Il y a personne, hein. Faut partir maintenant. Il veut pas partir. Bon. Très bien. Voilà. Bon, là, je pense qu'on peut y aller. Il y a plus personne. Ça n'a aucun sens. Ça va, les gars? Hop. Hop. Et poussez-vous de la bande de cons. Do we have a description? He looks like the recruits in my squadron. Yeah, yeah. Hey, what are you doing? Go! Et voilà. Très bien, le passage est libre. General Zayden. Mais what? J'ai même pas réussi à le faire, à faire exploser l'explosif. Rien compris. Strandberg, on dirait deux finesses dans le grand restaurant. Muscalmus. Muscalmus, Herr Müller. Muscalmus. Muscatnus. Muscatnus, Herr Müller. Écoutez, cette fois-ci, je vais vraiment me concentrer comme jamais je suis concentré dans un jeu vidéo, d'accord? Au maximum. Et si j'y arrive pas, bah écoutez, ça veut dire que je suis réellement très mauvais et que je peux pas jouer à ce jeu. Voilà. Je vais être au maximum, je vais augmenter mon son, je vais être en immersion la plus totale. Attention. Bon, je pourrais pas mieux faire. Keeper of the peace. You think you can just disrespect your superiors without consequences? Shame on you. I should have you both court-martialed. Ah, c'est marrant quand même. Bon, je crois qu'il est temps de se casser par contre. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir t'envoyer sur la tronche? Ah ben voilà. Est-ce que t'aimes les ciseaux? Tiens. Oh la vache, ce plantage. Ah la vache, en plein dans l'œil. Hein. Y'a que dalle. Bon. Merde, il est là. Comment je vais me démerder là? C'est quoi ça? Ah. On peut tenter ça. Mister, who are you? Hello? Oh merde! Bon. Oh non. Non! Écoutez, je suis désolé, mais je me suis fait avoir. Bon, le hachoir. Hein. Le hachoir. Listen to me. No, you don't.
No, not in the. Ah, je suis désolé, mais là j'ai pas eu le choix. Est-ce qu'il est seul? Bon, je pense qu'il est seul là. Bon, allez, c'est bon, hein. Fini de jouer. Voilà. Allez. On se déguise. Je vais me planquer vite fait. Hein. Voilà, c'est bon, personne m'a vu. Le hachoir, je le vire. Allez. Oh putain. Décidément, quand ça veut pas, les gars. Pas de panique, personne m'a vu. Vite, par contre là faut se manier, il y a des cadavres partout. Donc logiquement, là, je suis pas encore compromis, je pense que je peux monter les escaliers. Ils ont pas encore trouvé les corps, on est bon, il faut se manier. Oh merde! Oh non, j'avais oublié! Oh, j'espère qu'on est bon, mais non! Non, je m'en vais. Oh non, encore trouvé! Oh putain de merde. What? Mais c'est quoi ce bug? Ça va? C'est pas vrai, corps trouvé, bordel. Peux dissimuler tes armes dans des caches prévues à cet effet. Oui, oui, non, mais je sais bien, mais derrière le bureau du masseur, ça allait très très bien aussi. Alors, je peux le tuer là? Ok, go. Voilà. Il a eu son massage. Est-ce que je peux me déguiser en lui? Je peux pas me déguiser en lui? C'est pas grave, on se casse. Ça sent quand même la victoire, cette histoire. Oh, la victoire! Ah ben voilà! C'est pas la peine de s'exciter. Bon, la prochaine mission, je me concentre, on le fait en first try. Je vous le dis, il n'y a plus d'échec. L'échec n'est plus permis. Ah mais il y a Vincent! Comment il va, Vincent? Bon alors c'est best-of, ça avance! Vincent a pris une année sabbatique, attention. I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck, 47. Ah oui, d'accord. D'où le titre de la mission, le club des 27. Bon, je pensais qu'on aurait une opportunité, mais il n'y a pas eu d'opportunité, là, tiens. On va le suivre discrètement. Hop! Personne ne me voit. Mais voilà. On va se faire passer pour le nouveau batteur du groupe. Un batteur remplaçant que personne n'a jamais vu. Et personne ne connaît son visage. That makes sense. Hey. Merde, il m'a vu. On va se planquer. Il m'a vu? Oh là. Time for a nice cup of tea. Ça passe. Hey, you can't be here. Oh mais merde, il avait une autre à côté. Ah, c'est pas vrai. Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais là. C'est bon, je suis parti, ça y est. Ah, ma cible aussi, elle est partie malheureusement. Ah, c'est compliqué quand même. What? Et pourquoi pour chasser? Et pourquoi tout le monde m'en veut? Bon, tiens, prends ça. Mais pourquoi tout le monde m'en veut d'un seul coup? Mais il me laisse passer et puis après il m'attaque. Oh. Ah, décidément j'arrive pas les gars. T'as volé la noix de coco. Je me fais tuer par 10 gardes parce que j'ai piqué le noix de coco derrière un comptoir quoi. Oh putain les gars, au secours hein. Franchement. Putain. Ah monsieur le client, vous avez volé une noix de coco? C'est pas bien, vous allez mourir. C'est bon, quoi. Si je dois pouvoir... Mais comment je fais pour revenir? Mais je veux... Comment je fais? Mais comment je fais?
On peut. Alors comment on fait? J'appuie. Oh mais il est là! Vite! Il est là. Ah merde! Il faut que je me le fasse là! Putain! Une arme, vite! Il faut que je lui tombe dessus! What an idiot. Mais non! Mais putain! Comment je fais pour attaquer? You're quite the athlete. Mais putain! Mais comment je l'attaque? Putain! Quel jeu à la con! Hey, watch it. You can hurt yourself. Je peux pas me laisser tomber. Hey, you're trespassing, mister. I should probably call security. C'est de la merde. Can someone help me with this guy? Je peux même pas aller à droite. Comment je fais? Mais c'est vraiment. Mais comment je vais à droite sans déconner? C'est quoi le bouton là? Mais sérieux? Comment je vais sur le balcon? Mais sérieusement? Ah, c'est là! Putain, il faut descendre jusque là pour pouvoir aller là! Oh là 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 là! Bon, de toute façon, c'est foutu, je suis mort. Allez. C'est encore un gros fail. Eh oui, on sait bien que c'est foutu. Allez, tue-moi. Oh là là là, fallait descendre un poil pour que t'aies l'interaction qui t'indique que tu peux y aller, quoi. Voilà. Bon, sauf que là, il pourrait peut-être nous voir. Vous voyez, logiquement, on pourrait se dire, quand je suis là, je devrais avoir une interaction de le choper. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Il me voit là? Non, c'est bon. On va essayer. On va être patient. On va être patient. On va voir. Logiquement, il devrait y avoir une interaction comme ça. Sinon, c'est que c'est mal branlé. Ah si. Ah, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quoi? C'est une blague là. Mais attaquer. Ah, c'était le X. Oh putain. Putain, ça n'avait aucun sens ce qui vient de se passer. Oh putain. Je vais mourir en plus. Remarquez, là je peux descendre. Hein. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il le prend pas, espèce de con. Il est con celui-là, il va l'embarquer. Non! Ah voilà. C'était là ma chambre. Oui, c'était là. Voilà, personne n'a rien vu. Alors, une note de l'occupant de la chambre 207. Il est pénible. Assurez-vous que le bar contient une bonne réserve de pinot et que la ventilation du salon fumeur soit réglée au maximum. Frappez bien deux fois avant d'entrer dans sa suite car il a souvent de la compagnie masculine. Et une dernière chose, elle a demandé un flacon de crème solaire enrichie en vitamine E pour protéger ses tatouages du soleil. Apporter deux flacons dans sa chambre. Ah. Elle veut des flacons de quoi? Elle veut des flacons de crème solaire enrichie en vitamine E. Je cherche de la crème solaire. Et la tête dure. Pas très clair cette histoire de crème solaire. Mais. Eh oh! C'était un accident! Un accident! Écoute, on va laisser tomber cette histoire de crème solaire. Il y a eu un meurtre ici, je l'ai vu! Je l'ai vu, monsieur l'agent! Il est passé par là-bas!
Je l'ai vu, je vous dis. Elle, par contre, elle s'en, elle s'en bat totalement les couilles. Des cadavres? Où ça? Mais je m'en fous, moi. Allô, chérie? Ouais, il y a deux cadavres derrière moi. Sinon, comment tu vas? Ouais, moi, ça va. Ah, attendez. Je sens de la crème solaire par ici. Je sens la crème solaire, les gars. T'as vu de la crème solaire? Je cherche de la crème solaire. Je cherche de la crème... Ah, attendez, la chambre froide. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait y avoir de la crème solaire dans la chambre froide? Ça a pas l'air. Hein. On va se planquer. Voilà. Personne nous a vu. Donc, on rappelle que lui, c'est censé être le batteur. Bon. Donc, logiquement, là, je peux aller à l'étage. Sinon... Mais pourquoi on me suspecte? Ah oui, parce qu'ils me connaissent. Oh non, lui aussi! Oh non! Non mais c'est ma faute. Hein. On s'est pas, ils ont pas vu. Ah si. Merde. Oh putain, mais la vache! Bon, c'est foutu. Hein. C'est pas grave, je venais de sauvegarder. Oh putain, c'est encore un échec. Non mais décidément, les gars, j'y arrive pas. Non mais c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, je pense que je suis pas assez patient. C'est hallucinant, hein. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, putain. Je me rends. Eh non, c'était une vanne. Allez, c'est bon. On pourrait le balancer, hein. On va attendre. Ah ben voilà. Bah écoutez, du coup on va le balancer, hein, forcément. C'est un petit peu téléphoné, mais quoi d'autre? Allez hop. Bon, par contre, on est légèrement suspect, non? C'est pas moi, victime par accident. Oui. C'est un accident, les gars. Un malencontreux accident, dis donc. Bon, du coup, c'était qui la seconde cible? Je sais même plus, moi. Ah mais si, c'était l'avocat. Je l'ai pas tué. Mais il est où, du coup, l'avocat, depuis le temps? Il est peut-être parti, non? Ah non, il est en bas. Bon, mais écoute, on va redescendre. Est-ce que je peux le pousser? Je peux le pousser. Écoutez, je vais sauvegarder, puis je vais le pousser. Hein. Écoutez, il a marre de ces conneries au bout d'un moment. On va le pousser. Allez. Mais non! Mais je voulais le pousser. Hey, you're under arrest. Stand still. Hey, did you hear me? Surrender at once. What are you freaking deaf, sir? Slowly move your hands up, palms facing me. You're gonna regret this. You son of a... Gros combat. Je crois qu'on a plus trop le temps pour toutes ces conneries. Allez hop. Il a rien vu. Alors. Par là-bas. Allez, on se casse. Ah, par là aussi, tiens. Il ira plus vite. C'est ce que j'appelle une mission rondement menée. Et ben voilà! Alors, il y avait qui dans le club des 27? Kurt Cobain? Je crois qu'il y a Jimi Hendrix.
J'avoue quand même que ce jeu est très bon. Hitman n'est plus caca. Mais ça, c'était du vieux troll, ça, enfin. Oh là là. Évidemment que ça n'a jamais été du caca, Hitman. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Good luck, 47. Bon. Donc, faut investir ce camp, là. Écoutez, je vais essayer d'empoisonner sa flotte quand il regardera pas. Mais là, il voit, en fait. Mais d'accord, si là, je le fais, il va me voir. Il est de dos, ça n'a aucun sens, mais bon. Là, il peut pas voir. Là, il y a... Ça, si, merde. Attendez. Là, il me voit pas. Je le fais. Identify yourself. Putain, mais c'est tellement... Mais il était de dos, j'en ai marre de ce jeu à la con. Là, il était de dos, merde. That's it. I'm not kidding. Non, mais j'en peux plus, quoi. Il était de dos. De dos, putain, de dos. J'ai attendu le moment qu'il soit de dos, quoi. Il se retourne. Décidément, ce jeu, je crois que même avec la meilleure volonté du monde, je ne comprendrai pas. Genre, il est mort et... Ah ben non, son arme aussi a disparu, tiens. Je pense qu'il a dû boire l'eau. Ça n'a aucun sens, quoi. Non, mais ça n'a aucun sens, putain. Donc, j'empoisonne l'eau, le mec à côté me voit, je m'en vais, il dit même pas à son pote que l'eau est empoisonnée, je peux monter, il arrête de me rechercher. Putain, mais sérieux, mais... Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, du coup? Donc, il est mort. Il est mort, il n'y a pas de cadavre, donc. C'est ça? Il est mort, il n'y a pas de cadavre. Ils ont déjà emmené son cadavre, c'est pas possible. Ah bah attendez. Mais Loul, il est là. Il est là. Il est là. Ben Loul, hein. Bon, mais très bien. Effectivement, du coup, ils avaient embarqué son cadavre ici, dis donc. Allez, on va tenter. Ah ouais, c'est bon, ça passe. Et voilà. Il ne reste plus qu'à attendre. Ça y est, la voilà. Alors... Où est-ce qu'elle va aller? Bon, heureusement que je suis pas du tout soupçonneux envers quiconque, là. Voilà, elle est seule, là, non? Ah, je vais la jeter dans la mare. Ah, d'accord. Attention, c'est parti. Oh, putain, quoi? Oh, il y en avait là-bas? Oh, la blague. J'ai pas vu. Il était au fond. Bon. On va essayer de se cacher. Oh putain. Voilà. Mais c'est pas vrai, quoi. J'avais pas vu qu'il y avait deux soldats là-bas. Oh, je les avais pas vus. Il y avait deux soldats au fond. J'avais rien vu. Alors, te revoilà sur Shitman. C'est ça. J'avais bien aimé ta conclusion sur le live la dernière fois. C'est de la merde. C'est une sorte de Jean-Pierre Coff du jeu vidéo. Allez, s'il peut saigner, on peut le tuer. S'il peut saigner, on peut le tuer. Non, mais c'est pas de la merde, mais... Putain, il faut vraiment comprendre toutes les mécaniques du bordel, quand même. Hein. S'il peut saigner, on peut le tuer. Alors, oh, mais non. Mais non. 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 Non, je suis caché. I told you to follow me. You. Follow me. You got it. Okay, so let's move. Hold it right there. Hold it. Oh, that's a shoe. He thinks he's safe in there. I got him.
Aïe. Je souffre. Abattez-moi, je souffre. Ah, mais d'accord, donc là, je suis vraiment déguisé. Voilà. Eh ben voilà. Ben, il m'a vu, hein. Ben oui. Il m'a vu. En fait, là, je suis vraiment un épouvantail, quoi. Ah, c'est-à-dire que là, je peux aller aux autres endroits où il y avait des épouvantails. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est pas mal, tiens. Du coup, là, il est parti. Sauf que là, si je le fais, je risque... Je vais quand même essayer. Mais non! Ah, il s'est relevé. Alors là, il m'a pas vu. Une sorte de miracle. Oh putain, mais c'est pas vrai! Oh la vache! Il s'est retourné! C'est pas vrai! Putain! Est-ce qu'on va pouvoir planquer le corps quelque part? Ça, c'est. Oh! Okay, I got it. What? Il y a le cible qui vient de se ramener pile poil ici. J'ai pas intérêt à la rater, on la voit sur le radar. Ou alors je la tue maintenant, hein. Ça sera plus rapide, tu me diras. Ouais. And the enemy has to have known about Iago. Somebody killed the VIP! What the fuck? That's all targets taken care of for a second. Now gain access to the torpedo voilà. Shelter. What? C'est quoi? C'est... What? It appears the door obtenez un masque du visage? Infiltrer l'abri souterrain? Oh la vache. Incroyable, il y a des reflets. Est-ce qu'on peut péter le miroir? Ça, c'est une bonne question. Oh! Sérieux? Incroyable. Non seulement il y a des reflets, mais en plus de ça, on peut péter le miroir. Vous savez quoi? Je rajoute 50 points, là. Ah oui, c'est extrêmement rapide, quand même. Donc... On va redescendre. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Putain, mais... Sérieux, quoi. Cette visée. Coup de feu entendu. D'accord, on a compris. C'est la merde. C'est la merde. Open fire, target. Son bras. C'est un beau tas. Je teste les limites du nombre de corps. C'est fini. Ah, peut-être fini, y'a plus personne. C'est peut-être fini, dis donc. C'est peut-être fini. Ah non, c'est pas fini, non. Je suis trompé. Voilà, ça c'est bien. Allons-y. Putain, le nombre de cadavres. Et ça rame pas, hein. Ça rame pas, dis donc. C'est la puissance de la Xbox One X, ça. Je sais pas combien y a de cadavres là-dedans, au moins 25, 30... Ah ouais, une bonne trentaine. Hein. Une bonne trentaine là, les gars. Voyez un peu si j'en prends un, ça va pas faire tout bugger. Ah, c'est pas mal, regardez. Sérieux, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Oh, what a shock. I could use
some assistance here. Je t'ai déjà tué, toi. Mais Loul, c'est moi. Mais c'est moi. C'est moi. Mais c'est moi. C'est lui que j'ai tué tout à l'heure. C'est génial. C'est moi, putain. Il faut qu'on trouve le moyen de descendre à la cave. Oh, regardez. C'est ici où ils ont entreposé les sacs mortuaires. Excellent. On va faire le test ultime. Alors, le test ultime, les gars, vous savez ce que c'est? C'est les néons. Bon, là, on va être clair. Si je tire sur ce néon, et que ce néon casse, et que donc la lumière qu'il y a autour s'enlève, je rajoute 904 points. Le verdict final de Hitman, c'est maintenant. Oh ! Bon, j'ai rien dit. Écoutez, je retire tout ce que j'ai dit. Je retire tout ce que j'ai dit sur ce jeu. En tout cas, je trouve que les cinématiques sont plutôt bien faites. Même si j'y comprends rien, j'ai absolument rien bité au scénario depuis le début. Mais elles sont plutôt classe, les cinématiques. Il y a un certain cachet, et franchement, c'est assez classieux. D'abord, elles sont bien faites, et c'est assez classieux. Alors, voyons. Quoi ? Moins 265 000 ? Putain. Si on pouvait avoir un score négatif, même avec les 20 000 points des objectifs remplis, on serait à moins 45 000. On est à moins 45 000. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai rien fait pourtant. Rien que le briefing, moi il me faut 100% de mes capacités intellectuelles pour réussir à comprendre ce qui se passe. Hein. Putain. Alors attention, il y a le KGB qui s'est associé au MI6 et au FBI avec l'agent russe vietnamien qui est un cartel de drogue de la mafia israélienne. Tout ceci évidemment affilié au Vatican car le pape est en réalité... voilà. Moi, sans déconner, les briefings de ce jeu, c'est un petit peu ça, quoi. Donc bon, c'est compliqué, hein. Bon, en tout cas, il n'y a que deux cibles. Au moins, il n'y en a pas 150, c'est déjà ça. Et le lieu a l'air vachement cool. Donc, c'est un hôtel pour les élites, quoi. Pour VIP. Andorre. Oh, on ronfle. Your personal robe has been outfitted with a radio frequency identification chip. The device will unlock and allow access to your personal suite. Ah d'accord, on est pucé. Ça c'est le futur. Hein. Dans le futur, moi je suis persuadé qu'on sera tous pucés, vous savez. Ah la vache, c'est pas mal. Ah ouais. Ah c'est vachement classe. Oh là là. Et on avait déjà eu des beaux panoramas. Putain, la gestion de la lumière est quand même bien faite dans ce jeu. Oh! Je veux les mêmes chiottes! Oh, ça fait de la musique, il y a des couleurs. Et il y a les jets d'eau. Mais pourquoi ils font pas ça en France? Je comprends pas. Moi, c'est ça que je veux, hein. J'en ai marre des vieilles chiottes classiques, moi. Konnichiwa. Il rentre chez lui. Je vais essayer de rentrer aussi. Ah, c'est passé, putain. C'est passé. Bon, je pense qu'il est seul. Allez, hop. Ah, mais c'est passé. J'ai bien fait d'attendre, sérieux. Parce que j'étais à deux doigts de l'avoir dans le couloir, je vous le dis. Hein. C'est passé, putain. Ok, on est bon. Je peux peut-être passer de l'autre côté. Alors là, par contre, oui. Je peux tenter d'aller à côté, mais à côté, quel intérêt, quoi. Peut-être qu'à côté, le patient, et c'est plus un VIP, et que donc je vois que ça a de nouvelles zones. On va se dire ça.
Ah non, c'était là. Ah mais c'était ici, la chambre du Texan, putain. Ah mais j'aurais pu y arriver comme ça. Oh. Mais non. J'aurais pu y arriver comme ça. Oh la blague. La blague. Oh, il aurait juste fallu que je fasse ça et j'aurais pu directement choper les cigarettes, quoi. Incroyable. Hop. Merde. Mais c'est pas ce que je voulais faire, hein. Attendez. Maintenant, faire déborder l'évier sur sa tronche. Se déguiser en patient. Ouais, non, mais c'est pareil, en fait. Cela dit, il y a une garde juste à... Putain de merde. Comment je vais faire, là? Oh, merde, ils sont deux. Ils sont deux, paniquez pas. Allez, c'est bon. Bon, on va revenir au spa. Oh, merde! Merde, il m'a vu. Pas de panique, je m'en vais. Le spa. Peut-être là-bas. Donc ça, c'est chiottes. Ah, mais c'était là. Voilà. C'est là. Donc, vider la zone de spa. Ah, mais non, c'est pas là. Mais bordel de... Mais c'est où déjà? Je suis perdu. On va se calmer. Faut que je retrouve le spa, bordel. Il est où ce con de spa? C'est pas vrai. Faut que je retrouve le spa. Hein. Je cherche le spa, les gars. Le spa. C'est quand même incroyable. Hein. Comment ça se fait que j'arrive pas à retrouver le spa? Ah mais c'est pas ça? Mais non, c'est pas ça. Si? Ah mais si, ça y est! Mais il était juste à côté! Oh putain, quelle catastrophe! Alors, on va vider le spa. Alors ce qui me fait peur, c'est que là, ça demande une clé anglaise. Et évidemment, je n'en ai pas. Hein. Du coup, on va attendre qu'elle vienne là. Mais alors, quel intérêt? Ah non, je suis obligé de chercher une clé anglaise! Oh putain! Je suis obligé! Ah ouais. D'accord. Dans le garage? Mais le garage, genre, tu crois que je sais où c'est? Salut, c'est ici le garage? C'est pas très clair, hein. Oh, le garage, quoi. Remarquez, le garage, c'est peut-être par là. Moi, je sens bien le garage par ici, tiens. Ah oui, c'est pas mal, ça. Ah oui, ça y est, on y est! Il y a une motoneige, merde! Je suis soupçonné, attention! Clé anglaise. Ok, c'est bon, je la planque. Je regarde si je peux rien choper d'autre, on sait jamais. Sur un malentendu. Non, y'a que dalle, je remonte direct. Je remonte direct. Vite, 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 vite. Couper l'eau froide. Alors, couper l'eau froide. Et là, ils vont partir, c'est ça? Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Et donc, déguisez-vous en coach. Ah, voilà. Déguisez-vous en coach. Donc là, on va tout simplement aller... Là où il était l'autre. Hein. Allez hop. Plus de temps à perdre. Hein. Est-ce que je le laisse ici? C'est peut-être pas une bonne idée quand même. On va se déguiser. Il y avait une malle à côté, mais le problème c'est qu'il y a la fille là. Merde. C'est un mannequin ou quoi? Genre, je suis même pas soupçonné avec elle, quoi. Écoutez, je peux... Ah, mais attention, parce que là, il y a une vitre. Ah, attention. Il y a une vitre ici, ça veut dire qu'on me verra. Bon, bah écoutez, on va le laisser comme ça. Hein. Il est très bien comme ça. Alors, aborder Yuki Yamazaki. Ah, putain, la vache, faut attendre qu'elle revienne. Oh, sérieusement? Miss Yamazaki, I believe you booked time for a yoga lesson. Yes. To be honest, I was beginning to wonder. Ah oui, la vitre était teintée. Ah, donc j'aurais pu, effectivement. Autant pour moi! Donc, c'est bon? Escorter Yuki jusqu'au spa. Ça y est, les affaires reprennent, là. Il se passe quelque chose. Mais en fait, c'est pas vraiment un jeu d'infiltration. Non, mais je suis désolé, mais... Sérieusement, je trouve pas que c'est un jeu d'infiltration, les gars. C'est pas ça. C'est un jeu, en fait, où tu dois être patient, puis parler à tout le monde, et puis voilà. C'est surtout ça.
explorer les environs, et puis faire ce qu'on te dit de faire, en gros, c'est surtout ça. Hein. Mais c'est pas ce que j'appelle, en fait, un jeu d'infiltration. Non, je sais pas, je dois être con, hein, mais... pour moi, dans ma tête, c'est pas ça, un jeu d'infiltration. C'est pas grave, hein, parce que c'est plutôt sympa quand même, c'est rigolo. Mais c'est pas un jeu d'infiltration, les gars, on est d'accord. On peut faire le jeu sans aucun déguisement. Ah, mais là, je dis ok. Le danseur sortir. Là, ok. Mais je vois pas comment c'est possible. Parce que, par exemple, cette mission sans déguisement... Je sais pas, ça me paraît... mais bon, justement, mais du coup, ça m'intrigue. Hein. La position du guerrier. Ça m'intrigue. Parce que tu ne joues pas les défis assassins silencieux en costume. Mais sûrement, sûrement. Mais je vous parle de ce qu'on fait là. Le jeu normal, la campagne. C'est pas mauvais, mais bon. Ah, bon. This one is tricky. Find a good spot for it. Et comme par hasard, il y a son garde qui tourne le dos. Et là, du coup, ben là, j'ai pas le choix. Donc j'appuie sur X. Hop. Putain. Un accident malencontreux. Il y a eu un accident, hein. Bon, moi, je m'en vais. Bon, mais voilà. Ça, c'est plus pour les casus sans être méchant. D'accord, mais alors ça veut dire que le jeu de base, le jeu, je pense que la plupart des joueurs ont fait, parce que c'est quand même, c'est la campagne, quoi. C'est le jeu que tu fais quand tu fais le jeu la première fois. En fait, c'est pas un jeu d'infiltration. Et si tu veux vraiment jouer à un vrai jeu d'infiltration, tu dois faire du coup les défis et toutes les conneries qu'on va te proposer par la suite. Ça, je veux bien. Ok. Mais du coup, c'est quand même curieux comme méthode, alors. Bon, alors, voyons. Merde, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il m'a fait... Oh là là, s'il était venu 30 secondes avant, il m'aurait eu. Oh, ce satanas. Je suis repéré. Quittons les lieux. Je peux les zigouiller avec ça et ça, mais bon. En même temps, ils sont seuls. Allez, hop. Allez hop. Donc, médecin légiste et lui, médecin légiste. Allez hop. Voilà. Là, on est pas mal. Je sens qu'on est pas mal, les gars. Bon, et lui, qu'est-ce qu'il avait, lui? Prendre couperet. Ah, mon hachoir. Le retour du hachoir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, les gars. Ok. Voilà, on va le cacher. On est pas mal là. Franchement les gars, moi je vous le dis, on est pas mal. Ok. C'est bizarre que ça se passe bien là. Je sais pas comment ça se fait. Depuis 20 minutes. Tout roule comme sur des rails. C'est très étrange. Ah mais c'est lui. C'est lui le patient. Ah, mais d'accord, c'était lui, le conservateur. Ah oui. Par contre, je suis peut-être trop près, là. Voyons. Alors, logiquement, s'il me voit, il devrait avoir peur. Hein. Voyons. Bou. Ça va? Je suis réveillé. Aren't you supposed to be on duty? What's going on here? What happened? Yeah, I want to report a man for trespassing. Hey, there he is. Et voilà. Je vais te trespasser, moi. Allez hop. Le motard fou. Ah, le scalpel, ça m'intéresse. On va scalpeler un petit peu. Alors, voyons. Bye bye.
Ah mais voilà. C'est moi qui dois choper le cœur du coup. Ah non, je dois détruire le cœur, d'accord. Ah ouais, c'est comme ça que je le tue du coup. Ah ouais. Ah d'accord, je le tue sans même le voir. D'accord. Je pensais qu'il fallait attendre, genre qu'il prenne le cœur, que j'allais le tuer après, pour aller dans le bloc opératoire et le tuer dans le bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais pas en fait que j'allais vraiment détruire le cœur comme ça et que ça allait finir la mission. Je pensais pas ça. Bon, ben très bien. Ben écoutez, il nous reste plus qu'à dégager d'ici. Je peux pas partir par là. Hein. On est d'accord. Merde. Ah ouais, d'accord, il y a une moutonneige là. Une moutonneige, mais pour Yax. Oh si je peux. Oh. Alors là, énorme coup de bol, hein. Énorme coup de bol de voir ce passage là. Incroyable. Incroyable. Ah bah les gars, c'est une victoire. Bon, je me suis un petit peu mieux démerdé que les autres missions, sérieux. Incroyable. Bon, mais le jeu très très bien, ce Hitman. Très bien. Mais sérieux, je m'attendais pas à ça. Bah, vu que je connaissais pas du tout, je m'attendais pas à ça. Je pensais que, pour moi, en fait, dans ma tête, un jeu d'infiltration, c'était pas ça. C'est pas un jeu où t'attends, en fait, des opportunités et où ensuite tu suis, en fait, ce qu'on te dit de faire, quoi. C'est Vala. Alors j'ai bien compris que ça en fait c'était presque le mode easy, que la campagne du coup c'est le mode easy, qu'après t'as plein de nouveaux trucs qui se débloquent, mode défi et tout, que tu peux faire tout le jeu sans utiliser de déguisement et tout, mais en fait j'ai du mal à voir comment c'est possible. Parce que quand je vois là certaines missions, à quel point c'était hard avec les habits, avec les vêtements qu'on peut choper, je ne vois pas comment on peut faire le jeu dans les mêmes conditions et sans aucun déguisement. En fait, je vois même pas comment c'est possible juste de pouvoir finaliser les missions. Je vois pas. Donc, du coup, ça m'intrigue. Peut-être que je tenterai de faire ça en solo, parce que vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible. Vu la structure du jeu, vu que je trouve que tout est basé clairement sur le déguisement, justement, je me dis comment c'est possible, alors. Mais le jeu est sympa. Je vais vous dire un truc, ça me donnerait presque envie de faire Hitman 2, hein. Donc j'ai pas trouvé ça nul. Mais c'est juste qu'il faut quand même accepter vraiment comment est conçu le jeu. Voilà. Et ça, je m'y attendais pas. Et j'ai pas encore tout pigé non plus, hein. Les contrats, c'est les missions créées par des gens. Ah, c'est ça! Ah ouais, c'est une bonne idée. Attends, mais on peut créer des contrats? Enfin, tu peux créer des missions. Genre, moi, si je veux, je peux créer une mission. Et le mettre en ligne, et le mettre à disposition de tout le monde. Ah, mais ça, c'est vachement cool! Ah, ça, c'est vachement cool, je m'attendais pas. Alors ça, pour le coup, moi, je rajoute 4000 points. Attendez, je m'attendais pas à ça. Les joueurs peuvent créer leur propre mission. Je n'étais pas allé là-haut, je n'étais pas passé par là non plus. Et c'est cette mission-là que vous m'avez dit que j'avais fait que 30%. Que j'avais vu que 30% du décor. Il s'est gamélé. Il faut le finir. Voilà. Il a eu son massage. Par contre, on est légèrement suspect, non? Allez hop. Attention, c'est parti. Il y a le celui qui vient de se ramener pile poil ici. Hop.